Bonjour à tous, ici Micrologue France, j'espère que vous allez toutes bien. Moi écoutez, ça va très très bien, je voulais juste vous faire cette courte vidéo pour vous montrer un petit tutoriel comment je fais pour réaliser cette coiffure. Bon, elle n'est pas très compliquée et ensuite il vous restera plus qu'à accessoiriser et pour vous donner un petit style. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Vous allez voir, c'est super, super rapide. Donc, vous allez commencer par délimiter les parties qu'on va tourner entre elles. On va faire des choux, des bantouknos sur un tiers de la tête du devant. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez que ce soit la moitié ou si vous voulez que ce soit exactement comme sur les photos que j'ai partagées précédemment. Donc, voilà, une fois qu'on a divisé les deux parties, on va verrouiller... on va mettre sur le côté, en tout cas, les deux, quatre locks, en tout cas, sur le côté, comme ceci. Voilà, pour ne pas que ça nous gêne lorsqu'on va procéder au bantoukno. Ces quatre locks-là, et on va nous servir à la fin pour ornement. On va mettre des perles, ça va faire un petit côté stylé façon. Donc voilà, moi, j'ai divisé ma tête en six parties. C'est-à-dire trois parties de chaque côté et ensuite j'ai divisé en deux parce que je voulais pas avoir des choux non plus trop grosses. Donc voilà, donc vous allez tourner les petites parties que vous avez pris entre elles avec votre doigt jusqu'au bout et normalement on va dire ça se fait tout seul. Normalement ça se fait tout seul, vous n'êtes pas obligé de serrer comme une dingue, surtout pas. Vous allez tourner jusqu'au bout, jusqu'à qu'il reste plus beaucoup de locks. Et ensuite, vous allez prendre un élastique en caoutchouc. C'est pas obligatoire, mais moi je le fais parce que j'ai pas envie que ça s'enlève. Et vous allez venir verrouiller le chou qu'on a déjà fait. Voilà. Pas obligé de tourner deux fois. Vous le posez et normalement ça tient très très bien. Pour le deuxième, pareil. Je vais cette fois-ci en accélérer. Mais je pense que vous avez compris. C'est pas si compliqué que ça. Donc vous n'avez pas d'excuses, on va dire. Moi j'aime bien aussi faire des bantoukno sur toute la tête, mais là sur le coup j'avais envie de faire un style et j'ai vu que ça donnait bien, donc je me suis dit pourquoi pas le refaire devant la caméra. Donc voilà, pareil, je vais mettre en accéléré, pareil. Pour celle de derrière, c'est vrai que je me suis pas trop appliquée, mais bon, ça va, c'est pas trop moche quoi. Donc voilà, bon, ça m'a pris je pense 5 minutes hein, pour faire ça, mais si vous venez de débuter ça va vous prendre un peu plus de temps. Donc au niveau des perles, j'ai choisi les perles dorées pour qu'ils puissent aller avec mon collier. Donc c'est très simple, dans ce paquet vous avez un petit bout en plastique là, vous venez enfiler les perles que vous voulez. Et ensuite vous allez les passer sur la loxe que vous avez choisie. Voilà, et vous verrouillez avec un élastique. C'est aussi simple que ça. Franchement, vous n'avez pas d'excuses du tout. Donc voilà, moi je vous conseille de prendre des perles qui sont adaptées à vos locks. Surtout pas trop lourdes pour éviter les tensions sur les locks. Ben voilà, la vidéo touche enfin à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce like et à me laisser en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !